I would like to talk about the Middle East for a sec. J'aimerais parler du Moyen-Orient. Donc, first and foremost, we've been following the negotiations, which are very fluid. We've been in contact with many officials on the Israeli side, on the Qatari side, on the Egyptian side, and we really hope that the negotiations are fruitful, because we need a ceasefire now. We need to make sure that hostages be released. We need humanitarian aid to go into Gaza. The violence must stop, and Hamas must lay down its weapons. When it comes to Rafah, our position has been clear since the beginning. The situation in Gaza is catastrophic, and the people that are in Rafah, for the vast majority, have already been displaced. And so they have nowhere else to go. An invasion of Rafah, which would endanger the lives of women and children and innocent civilians, is completely unacceptable. And Canada continues to put pressure on the Israeli officials and government, and also working with our allies. So, je vais juste le dire en français. Donc, lorsque vient la question du Moyen-Orient, on est en contact avec plusieurs diplomates, que ce soit du côté israélien, égyptien, qatari, américain, et on espère que les négociations vont porter fruit. C'est important qu'il y ait un cessez-le-feu, c'est important que les otages soient libérés, c'est important que Hamas dépose les armes et que l'aide humanitaire puisse être acheminée à Gaza. Maintenant, lorsque vient la question de Rafah, la position du Canada demeure la même, c'est-à-dire que fondamentalement, les personnes qui se retrouvent à Rafah, en grande majorité, sont des personnes qui ont déjà été déplacées à travers Gaza. Et la situation à Gaza, elle est absolument catastrophique. Donc, il nous faut absolument que l'invasion militaire par Israël de Rafah n'ait pas lieu, parce que si c'était le cas, ce serait complètement inacceptable. Trop de femmes et d'enfants et d'innocents seraient affectés par cette invasion. Alors, la position continue d'être la même. Nous allons être en contact avec nos homologues israéliens, américains, et nous allons continuer de mettre la pression. Well, I won't speculate on the impacts on one another. What I'm telling you is Canada's position is we need both. We need to make sure that there's no invasion of Rafah. We need a ceasefire now. But can you imagine that Israel's actually committed to a ceasefire when they're actually advancing their military effort right now? The situation is very fluid. Lots of negotiations are happening. Lots of actions are being taken by both sides, including by Hamas, and therefore I won't speculate. Yes. Sorry, I'm listening. Well, of course, these children have gone through an extremely difficult situation. I've said many times that I was extremely preoccupied by the sake of children that are in camps in northeast Syria. So because they've gone through extremely difficult times, I won't further comment. I just want their well-being. That the arrests that happened just show how lax Canada is about who it lets into the country. What's your response to that? Sorry, Rafi, go just ahead. On India, the arrests that have happened, your foreign affairs counterpart in India has said that they just show how lax Canada is on who it lets into the country. What do you think about that? Canada's position has always been clear. Our job is to protect Canadians, and we stand by the allegations that a Canadian was killed on Canadian soil by Indian agents. Now, the investigation by the RCMP is being done. I won't further comment, and no other officials from our government will further comment. What I'm telling, though, on the question of the relationship with India, is I think that it's always better when diplomacy remains in private, and Canada will continue to stand by first protecting Canadians, making sure that we also protect our sovereignty, and in the end, also, we need to protect our rule of law. Excuse-moi, mon recommence, qu'est-ce que vous dites? Ben, la position du Canada est toujours la même. On a dit depuis l'automne dernier qu'il y avait des allégations crédibles comme quoi un Canadien avait été tué au Canada par des agents indiens.
Et donc, la GRC fait son travail, va continuer de faire son travail. Nous allons laisser la GRC faire son travail et bien entendu respecter son indépendance. Maintenant, lorsque vient la relation diplomatique avec l'Inde, je suis d'avis que c'est plus important que le tout demeure de façon privée, que je continue à avoir des conversations, mais qui restent confidentielles avec mon homologue. Mais fondamentalement, la position du Canada est la même, c'est-à-dire que nous allons toujours être là pour défendre les Canadiens, pour assurer leur protection, leur sécurité. Deuxièmement, nous allons être là pour protéger aussi notre démocratie et la souveraineté canadienne, et finalement, la règle de droit qui est fondamentale à l'heure. Last question. Sur l'ingérence, donc vendredi dernier, rapport qui mettait en doute certaines, la façon dont la course à l'investiture des fois s'est faite, comment les règles sont encadrées, notamment au Parti libéral. Est-ce que vous pensez que, à la lumière de ce rapport, il faudrait resserrer un peu les règles? Bien, je pense que le ministre de la Sécurité publique hier et le ministre de la Justice ont déposé un important projet de loi qui prévoit aussi le fait de protéger le système démocratique de l'investiture jusqu'à l'élection. Et on va continuer de faire ce travail-là. Moi, de mon côté, comme ministre des Affaires étrangères, je gère plutôt les conséquences diplomatiques de toute forme d'ingérence étrangère. Et la position a toujours été la même. Et les actions que j'ai prises l'ont démontré. Nous pensons que l'ingérence étrangère est complètement inacceptable. Est-ce qu'on peut avoir un dialogue avec l'Inde? Yes, August, it's a very difficult situation. We have always said that that operation should not happen. There's over 1.5 million people who have nowhere else to go. They're trapped there, no access to humanitarian aid, and this will cause a lot of civilian casualties, and we have constantly advised against this operation, and we're very disappointed that it's happening. Is there anything that Canada can do to try to get aid in through other means? Are you speaking with Israel about possibilities? We've done everything that we can. We'll continue to do that. In addition to the regular channels, we've contributed to the effort to build a port, to get more aid in, resorted to airdrops. We'll continue to do everything that we can to reach the most vulnerable there, but we need a ceasefire. This operation will not contribute to more aid getting to the most vulnerable. You seem discouraged by the situation. Well, we were hoping that the operation will not happen. Thank you. Un bouclier de CBC là, dans cette histoire-là contre les conservateurs quand ils arriveraient possiblement au pouvoir. Là. Écoutez, moi, ce que je veux, c'est m'assurer que CBC Radio-Canada est bien positionné pour affronter les prochaines décennies dans un contexte où les médias ont beaucoup de difficultés à garder leurs revenus au niveau de la publicité et dans un contexte où plus que jamais, on a besoin d'avoir de l'information fiable au Canada, que ce soit en français, en anglais ou même dans les 8 langues autochtones que CBC Radio-Canada dessert. Donc, moi, c'est même pas une question partisane pour moi, c'est que le Canada mérite d'avoir un diffuseur public qui est fort et qui est viable. Pouvez-vous nous expliquer, parce que déjà, CBC Radio-Canada met en commun des services de comptabilité, d'administration de la paie, ce genre de choses. Alors, de quelle autre étape parle-t-on? Là, on a l'impression que vous voulez peut-être faire une mise en commun plus au niveau rédactionnel, et je pense que c'est de là que découlent les inquiétudes. Bien, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, en ce qui concerne la gestion interne, c'est indépendant du gouvernement. C'est la responsabilité de la gestion puis de l'administration à CBC Radio-Canada de s'assurer que les investissements qui sont faits avec les fonds publics sont investis de manière appropriée. Bon, le diffuseur public fait face à des difficultés financières. On a rajouté 42 millions dans le budget cette année encore une fois. Et donc, c'est normal qu'ils regardent au niveau de la structure interne s'il y a des dédoublements, des problèmes d'efficience. Maintenant, et je vais le répéter, je vais m'assurer que tout ce qui concerne le contenu et la programmation demeure distinct et que les contenus qui sont présentés du côté francophone sont adaptés aux besoins de la population francophone. Mais la direction de ça aussi, parce que des fois, si vous avez un seul patron, mais après qu'il envoie des commandes dans les deux côtés, cette distinction entre français et anglais va s'estomper. Oui, mais c'est là je parle d'une distinction total au niveau du contenu et de la programmation, donc au niveau de la prise de décision aussi, ça doit demeurer distinct. Puis dans le cadre des travaux que je m'apprête à faire,
En ce qui concerne la révision de la structure financière, de la gouvernance et du mandat de Radio-Canada, c'est une des choses dont je vais m'assurer. Convenez-vous que ce serait plus facile de protéger Radio-Canada en ayant, comme le propose le Bloc, une société d'État distincte, puisque les conservateurs disent qu'on ne va pas toucher à Radio-Canada? Ben, absolument pas. Puis moi, je ne me gouvernerai pas en fonction des conservateurs. Les Canadiens vont avoir un choix clair aux prochaines élections entre un parti qui pense que le Canada n'a plus besoin d'un diffuseur public, qui pense qu'il faut laisser les plateformes gérer la désinformation, la propagande, puis en ce qui concerne Facebook, entre autres, de bannir les Canadiens de partager du contenu d'information. Nous, de notre côté, on pense que le Canada mérite d'avoir un diffuseur public qui est fort et qui est viable pour les décennies à venir, puis c'est là-dessus que je vais travailler. Have you asked the company at all for an explanation between about these concerns of a merger between some services of the English and French sites? Well, the public broadcaster is independent from the government and they are absolutely independent when it comes to their internal decision and management. On my end, I'm going to reassure everyone that I'm going to make sure that the French content is distinct and adapted for the French-Canadian, whether it's in Quebec or across Canada. Oh, and the new army logo, just what do you make of the reaction of people? I don't have any comments on this. Thank you. Merci. We tried. Radio-Canada, êtes-vous en train de protéger CBC en utilisant Radio-Canada comme bouclier? Non, Radio-Canada joue un rôle absolument fondamental au niveau de la défense et la promotion du français, avoir plus de français dans les régions. Il y a des communautés où tout ce qu'ils ont, là, c'est Radio-Canada. Alors, on va toujours être là pour les défendre. Là. Mais, je veux dire, les conservateurs, eux aussi, ils vont dans l'idée de... Les conservateurs, ils veulent se lâcher. Radio-Canada, CBC. Ça, c'est clair. Au moins, c'est clair. Non, mais la question, c'est pourquoi vous voulez fusionner certains services entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination de l'esprit francophone par... On va toujours, ce que vous appelez, Hélène, l'esprit francophone, on va toujours le défendre. C'est là depuis le début, puis on va continuer à le faire. Tous les ministres du patrimoine l'ont fait. Je l'ai fait quand j'étais là. Pascal le fait très bien. Mais pourquoi les gens sont craintifs, alors? Parce que c'est normal, parfois, avoir des craintes lorsqu'il y a du changement. Mais nous, notre objectif, c'est de défendre le fait français, de défendre Radio-Canada. Votre vote, est-ce que la sécurité doit être renforcée? Parce qu'il est arrivé hier, encore une fois. Ben, soyons sans équivoque, c'est complètement inacceptable ce qu'on a vu hier. Je pense qu'on doit tous et toutes condamner tout acte d'intimidation, de violence. Ça ne fait pas partie de notre société. J'ai même parlé au président de Nordvall ce matin, pas celui au Canada, mais celui en Europe, pour le rassurer en lui disant que effectivement on avait condamné de façon très, très claire ces actions-là. Ça ne représente pas qui nous sommes chez nous. C'est un grand projet de décarbonisation. Moi, je pense que l'ensemble des Québécois et Québécoises, on veut faire partie de cette transition énergétique. C'est un projet qui est générationnel et on sera là pour appuyer tout le monde. Mais est-ce que ça montre des craintes quand même? Non, je ne pense pas. Quand vous avez des gens qui mettent des actes de violence comme ceux-là, ce n'est pas une crainte. C'est des gens qui... de toute façon, il va y avoir une enquête policière qui a été lancée. Et je pense qu'on doit être unis derrière condamner ce genre d'action-là. Qui, toute forme d'intimidation, la violence, il y a comme une montée dans notre société de l'intimidation. Moi, je pense qu'on doit parler haut et fort pour arrêter ça. Qu'est-ce que ça nous dit de la capacité de faire des projets au Québec? Bien, je pense qu'on doit toujours travailler ensemble pour... s'assurer d'avoir l'acceptabilité sociale, de bien faire les choses, d'expliquer aux gens. Mais je pense que quand vous regardez ce grand projet-là, qui est d'abord le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec, rappelons-nous, moi, je sais, les gens m'accostent, me disent, Monsieur Champagne, on veut participer à cette transition énergétique, on veut aller dans les énergies vertes, on veut avoir des véhicules électriques, mieux encore les bâtir chez nous, on s'est donné les moyens de nos ambitions. Alors, est-ce que ça peut décourager d'autres investisseurs? Ben, c'est ça ma question. Écoutez, on a tous un travail de rassurer. Moi, je l'ai fait ce matin, justement, parce que quand je me suis levé, les dirigeants en Europe m'interpellaient. Moi, je leur ai dit que c'était évidemment un acte très isolé. Ça ne représente pas qui nous sommes.
le Québec, le Canada, on veut jouer un rôle important. Puis la preuve, c'est qu'on a les plus grands investisseurs qui se tournent chez nous pour faire des investissements dans l'électrification des véhicules. Avez-vous l'impression qu'il y a des défis différents, dépendamment de si ces grandes entreprises-là décident de s'installer au Québec versus ailleurs au Canada? Écoutez, moi je dis, le Québec, d'abord, on est une terre d'entrepreneurs. Le Québec, on est une terre d'innovateurs. Le Québec, on est parmi ceux au pays qui ont fait les plus grands chantiers. Pensez à l'hydroélectricité, par exemple. Moi, je regarde même à Shawinigan, ça a été le berceau de l'industrialisation d'Amérique du Nord, l'usine d'Alcan. Alors, on a tout chez nous. On a l'excellence des travailleurs, on a des grands écosystèmes d'aérospatial, on a les minéraux critiques, l'énergie renouvelable. Moi, je veux dire, on a ce que la planète veut au 21e siècle. Maintenant, c'est à nous, Québécois et Québécoises, de le réaliser, de s'assurer qu'on bâtit l'acceptabilité sociale puis qu'on condamne toujours quand il y a des actes de violence et d'intimidation comme on l'a fait hier. Merci tout le monde. Merci. The questions that came to post. So, give me 1 second here. Will the federal government change the legislation that dictates how and when Canada Post delivers mail? Change the legislation? Yes. We're currently in a process in which Canada Post knows really well, obviously, the challenges which it is facing, especially since COVID-19. COVID-19 changed a lot of things, including the habits of Canadians, the delivery of more packages. Is obviously increasing. What is also changing is the fact that there are more competitors now since COVID-19. There used to be these competitors are paying their workers low wages with no benefits and focus on some areas of Canada. Now, Canada Post has a mandate to deliver mail and packages across Canada, so that's a responsibility which comes with support that they need to get from the federal government, and that includes working with them in the context of the negotiation that they will soon start having with their workers. So how do we keep structuring Canada Post for future, which can lead to delivery of packages and mail to all Canadians across the country? But is it time to end the requirement for daily letter mail delivery for Canada Post? Is that something that's That is something, that is an option which Canada Post is apparently considering, obviously talking with you unions and leaders and workers as it is developing one of these, this option and among many others as well. But that would require legislative change. Is that something that the government's prepared to think Whatever about? Whatever we need to support Canada Post in supporting Canadians, it will be envisaged as we need Canada Post in the future. We know the habits of Canadians are changing. What we know is that the role of Canada Post is not going to change given that it's there to serve all Canadians wherever they live. And considering the financial position that Canada Post is in, is the government prepared to provide more funding to help them out? They're losing $750 million this year. Is the government going to step up and provide more funding for Canada Post? Well, we first need to see what options they're going to present, what options they're going to recommend, what options they were going to develop with their workers. There is an opportunity to increase revenues given the significant increase in the need for package delivery across Canada. There's also an opportunity to decrease costs by working with unions and workers in a manner which will protect their health and safety while also protecting the financial. If they could run out of money next year, the timeline is not that far. The runway is not that long. What is the government going to do? It is true that it's going to require work and progress in a matter of several years. Now, this is something, a context which has changed dramatically during COVID-19, as I said, there is a ton of deliverers of packages now in Canada. Many of them pay their workers very low wages and compete with Canada Post in areas where it is profitable for them to do so, but don't serve communities outside of those particular areas. Pourquoi c'est acceptable à ce moment-ci de revoir la livraison quotidienne à la maison de Post Canada? Pourquoi c'est acceptable de faire ça en ce moment-ci? Ben, c'est un contexte qui change dramatiquement depuis la COVID-19 en particulier. On sait que durant la COVID-19, non seulement les besoins de livraison de colis ont significativement augmenté de la part des Canadiens, mais aussi que les compétiteurs auxquels fait face Post Canada se sont grandement accrus, paient des conditions, portaient des salaires. Des Canadiens qui comptent là-dessus pour avoir leur mais il y a effectivement des Canadiens et certainement en région rurale et plus éloignée qui ont besoin de Post Canada, qui ne peuvent pas dépendre de ces livreurs de colis et de courriers.
courriers qui ne vont pas aller leur livrer des courriers, du courrier et des colis, certainement pas à des tarifs acceptables pour ces communautés. Donc il faut que Poste Canada continue d'avoir les moyens pour répondre aux besoins de ces Canadiens à l'échelle du pays. J'ai l'impression que c'est comme un cercle. Sous M. Harper, on voulait avoir des endroits où il y avait des endroits, des boîtes à lettres communautaires. Là, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez sur la table? Bien, ça a beaucoup changé depuis M. Harper. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire ça, vous, avoir arrêté la livraison à la maison et avoir des boîtes aux lettres communautaires? Ce n'est pas une option qui est considérée par Poste Canada, à ce qu'on sache maintenant. Les options considérées par Poste Canada, c'est la revue des moments de livraison de courrier, aussi, évidemment, une présence plus accrue sur le marché lucratif et important et croissant de la livraison de colis. On sait qu'ils ont un avenir nécessaire pour les Canadiens. On ne peut pas dépendre des livreurs de courrier actuels qui sont des compétiteurs à Poste Canada pour faire ce travail, parce qu'ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas livrer dans des communautés rurales éloignées. Construire des logements par-dessus les bureaux de poste, est-ce que ça va aider à donner de l'argent à Poste Canada? Est-ce que cet argent-là devrait servir à renflouer le coût de Poste Canada? Ben, c'est un enjeu séparé, parce que effectivement, il peut y avoir un impact financier, mais il peut y avoir surtout un impact pour les communautés, pour avoir accès à davantage de logements abordables dans des endroits où, effectivement, les terrains, les édifices de Poste Canada pourraient être plus facilement développés. Merci. Monsieur Bacloum, dernière affaire sur les courses à l'investiture. Après le rapport de la semaine dernière, est-ce que le parti devrait revoir la façon dont les courses à l'investiture sont faites, puis les règles, en fait, entourant qui peut se présenter au parti? Ce sera à mes collègues qui sont plus informés de ce rapport de trancher. Moi, ce que je sais, c'est que, pour l'avoir vécu personnellement, les courses à l'investiture au Parti libéral sont très transparentes, sont souvent très compétitives. Il faut être agile, il faut respecter les règles. Les normes, je peux vous assurer, sont sévères et sont appliquées sévèrement. Ce sera à mes collègues de valider s'ils souhaitent aller plus loin. Merci. How do you expect the RCMP to handle all the new responsibilities you're giving them with the new foreign interference legislation? Are you going to give them more money? We have increased their funding in the budget. I'm doing some work, important work with the commissioner around strengthening federal policing. I have a lot of confidence in the RCMP, and if they need additional funding to do the work that we're asking them to do, I would obviously work with the finance minister. So I'm not concerned about that at all. I have a lot of faith in their ability to do the work that the government asked them to do. Avez-vous eu de nouveaux contacts avec le gouvernement indien depuis l'arrestation autour de M. Nijjar? Et vous attendez à quoi de leur part maintenant que l'arrestation a eu lieu? Écoutez, moi, je n'ai jamais eu un contact avec mon vis-à-vis en termes du ministre responsable pour l'intérieur en Inde. Peut-être la ministre des Affaires étrangères peut vous répondre à cette question-là. Mais encore là, vous devez demander, j'ai compris que le commissaire Duhaime faisait peut-être des émissions ce soir. C'est une très bonne question à demander au commissaire Duhaime. Moi, je ne suis pas dans les détails des discussions entre corps policiers et leur vis-à-vis. Vous avez des attentes? Vous attendez à quoi de la part du gouvernement indien en ce moment? Le premier ministre et la ministre des Affaires étrangères ont demandé au gouvernement de l'Inde de collaborer avec nos forces policières afin de mener l'enquête. Mais les détails de contact entre la GRC et peut-être des corps policiers en Inde, moi, honnêtement, je pense que le sous-commissaire Mark Flynn ou peut-être le commissaire Duhaime lui-même pourront vous donner les détails. Moi, je ne suis pas dans ce trafic-là quotidien. Est-ce que c'est moi qui suis concerné? Que le gouvernement marche sur des œufs sur cette question-là. Personne, tout le monde est... Moi, je suis beaucoup trop gros pour marcher sur les œufs. Ça va casser les œufs. Alors, moi, j'ai aucune prétention. Moi, je n'aime pas marcher sur les œufs. Are you concerned that these suspects may have come here as international students? And what do you think should be done about that? We're hearing this from investigators. So that would be a good question to ask the investigators. I'm not going to comment on investigatory details. Those issues will properly be the subject of proceedings before a court and or continued investigation. So you're not going to have me comment on the status of these people. That's a proper question for the police, and the prosecutors may have something to say to a court about those issues at the right moment. Merci. Il y a une frustration. Moi, j'ai
C'est ça, facile à regarder. Ou dans la planète. Oui, j'aurais aimé ça revenir sur l'Inde. Et sur le fait que le ministre des Affaires étrangères de l'Inde semble dire qu'on laisse rentrer n'importe qui, y compris des étudiants qui ne sont pas allés à l'université, qui feraient partie des gangs, puis auraient fait partie de ce qui s'est passé avec M. Nijjar. Qu'est-ce que vous avez à répondre au gouvernement de l'Inde qui dit qu'on ne peut pas... rien à leur répondre. C'est leur plein droit d'avoir des opinions, même mal informées sur le Canada. Il y a des critères de sécurité qui sont observés et respectés pour l'admission de qui que ce soit, évidemment, pour des ressortissants de l'Inde qui souhaitent venir au Canada. Il y a une demande, que ce soit des demandes d'étudiants ou de simples visiteurs de soumettre à la biométrie. Mais écoutez, je ne peux pas parler de cas précis, évidemment. Ils visaient certains cas précis dont je ne peux pas parler parce qu'il y a une opération policière qui est toujours en cours. Vous pensez quoi des attaques du gouvernement indien alors que nous, ici, on a un processus policier qui est en cours? Bien, on respecte la règle de droit, évidemment, avec l'indépendance du corps policier du Canada, dans ce cas-ci, la GRC. L'Inde a droit à ses opinions, évidemment, que ce soit des opinions politisées ou autres, mais je vais leur laisser parler. Puis les Canadiens savent très bien la rigueur avec laquelle on applique. Est-ce qu'ils n'ont pas un point dans le sens où on a même déjà trouvé qu'on accueillait trop d'étudiants étrangers, qu'on veut réduire les visas pour étudiants, et là, on se rend compte qu'il y a des gens qui rentrent peut-être sous de faux prétextes. Est-ce qu'on ne faut pas resserrer un petit peu? Je pense que le point qu'il essaie de véhiculer, c'est pas suffisant. Non, qu'est-ce que c'est le point qu'il veut véhiculer d'abord? Je le laisse son droit à son opinion, mais c'est pas une opinion que je respecte, puis c'est basé sur les faits que je donne cette opinion. Est-ce que vous pensez du débat qui a éclaté hier, à savoir le fait d'aller qu'un jeune va à l'université ou au cégep en anglais est plus susceptible de mener sa vie en anglais par la suite? Vous en pensez quoi? J'ai suivi de ça, somme toute, d'assez loin. Je crois que si on attend au cégep pour apprendre le français, on a un fâcheux problème au Québec. Évidemment, langue commune, le français qu'on souhaite au Québec, qu'il est largement, qu'on veut renforcer. C'est clair que le système d'éducation du Québec est en jeu. Si on attend au cégep pour apprendre le français, on a un assez important problème. Merci. Mais l'accès aux institutions anglophones, est-ce que ça contribue, selon vous, à l'anglicisation du cégep, Québec? C'est quand même le poste secondaire. C'est là où les gens espèrent, dans le cas où ils ne parlent pas l'anglais, déjà d'apprendre l'anglais. Donc, mais pour les francophones qui vont à une institution anglaise? Je pense qu'il y a beaucoup de francophones qui veulent apprendre l'anglais, que ce soit dans leur jeune âge. Ils en apprennent assez à la télévision ou par osmose, mais je pense que d'attendre au cégep pour renforcer le français, je pense qu'il y a un problème de base auquel on devrait plus s'attaquer, c'est-à-dire le système d'éducation qui prévaut au Québec. Minister, just in English, on Hardeep Singh Nijjar, these accusations that they may have been international students, does that concern you? The suspects, I mean, investigators have told CBC News that they may have been international students. Yeah, Rafi, I can't speak on the specific facts in this case with the police operation that is still going on. Obviously, whenever there is a suggestion of how people got into this country, that is of concern to me as the Minister of Immigration. When it comes to anyone coming in from India, whether it's on a visitor's visa or a student visa, there is biometrics that are required. So that is very important for people that are concerned by this reality. I also do think we have to disabuse ourselves of the notion that Canada is hermetically sealed. Speaking generally, whether it was in discussions about criminality and the reimposition of the visa on Mexico, it should be a surprise to no one, despite the best efforts of one of the top security organizations in the world, that a determined actor can get people into this country. There have unfortunately been some recent instances involving people with international student visas. There have been allegations of violent crimes, such as the Barrhaven stabbing here in Ottawa. And it's raised questions about how well the government can keep tabs on whether international students are actually studying or not. And a group of lawyers have asked that whether it should be reported to the CBSA on a yearly basis, for example. What kind of safeguards are in place in those cases? I mean, I'd have to understand your question better. When it comes to people committing crimes, good grades, bad grades, whether they're in school, perhaps is an important factor, and perhaps there are mechanisms in place that we could look at to make sure. Obviously, if people are here to study, they should be studying. That's the reason I reduced the hours that people could work to 24 hours, because we don't want people gaming the system. But clearly, when we look at levels of criminality in general with recent migrants, whether it's even asylum seekers that come in here without having
us done background checks, the levels of criminality are generally lower to than the general population. So we look at these facts as they arise and make sure that we put the systems in place to make sure that the people coming in are who they say they are, that they are doing what they say they are going to do, and if they are here and they do something that is criminal, that we arrest them, and in cases that it is of severe criminality or others, that we deport them. Just on international students, my colleagues at CBC Toronto are wondering, why did so many international students get permission to come to Canada to study business rather than the fields where workers were really in demand? And if your government saw this trend happening, why didn't you clamp down sooner? Well, we see the trend happening, Rafi, and I think we've seen the boom of fake business degrees that have mushroomed up in the last couple of years. I'm not going to knock on anyone who decides to do a business degree. There are some very legitimate institutions that are delivering good business degrees, but there's a lot of sham degrees, and people are using them as an excuse to perhaps get into the country, get a job in another field. Did you shut the door too late is the question? Well, that's a question for history to judge. I think we shut the door, stemmed the flow in a very significant fashion. There's a responsibility of provinces in this and the institutions that they have jurisdiction over, that they regulate, to make sure that the programs that they are offering to international students are the ones that fit the job market. This is something that I'm going to talk to my colleagues about on Friday when I meet them as part of talking about the next steps with provinces and territories and how we all take responsibility for people that come into this country and matching them with the jobs that they come to or the what they're studying for, and then correspondingly the next jobs. But obviously this is something, and the measures that I took are ones as aggressive as they were that are still incomplete, and if we have to take further measures, we're ready to do it as well. But this is a part of it's a process of responsabilization of the provinces and making sure that they are regulating the institutions that welcome these students. You're meeting your immigration counterparts on Friday? Yeah, okay. In Montreal. I just want to ask you in English about the operation in Rafa and the closure of the Rafa border. What impact is that going to have on Canada's sort of mission to bring extended family members here? Well, as you know, we've had difficulty getting people across the border. Some people have taken matters into their own hands and had to pay substantial fees to get out. Those people have a chunk of which have undergone security in Cairo, have gotten visas, and now are either coming or on the process of coming to Canada. Closing the Rafa border means exactly what it means. It means we will not be able to get people out, and that's an extreme concern to me. Mm-hmm. Even through back channel means and that kind of thing? Well, we continue our diplomatic efforts, whether it's with the government of Israel, with the government of Egypt, to make sure that we can try to safeguard the people that we've that we want to get out, that have family members here. Again, with a military operation ongoing and the humanitarian catastrophe, our ability to physically do it ourselves without help is extremely limited, if not impossible. Mm-hmm. And will this make it impossible for other people to get out on their own means? I don't know. I've never lived in the area. There are people take desperate measures to get out, including paying significant bribes or huge sums, $5,000, $10,000. I would expect that even in a military operation with people's lives on the hand, they will take any measure to get out. So I don't know. It's be hard to speculate, but it sure will be harder, I would think. Okay. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Merci. Merci. Ce qu'on a vu avec Norbert hier. Ben oui, je trouve ça très inquiétant. Je veux dire, dans une société démocratique, que des gens manifestent, que des gens, j'ai moi-même posé des gestes de désobéissance civile non violents. Mais là, ce qu'on voit, ça dépasse les bornes. Et l'alternative, c'est quoi? Je veux dire, c'est de continuer à dépendre du pétrole pour lequel on fait des guerres, les changements climatiques, les problèmes de qualité de l'air. L'électrification des transports, c'est pas la solution au changement climatique, mais c'est certainement l'une des solutions au changement climatique. Et moi, je suis profondément en désaccord et je condamne ces gestes-là par ces individus-là. Aux jeunes militants, appelons-les écologistes, on ne le sait pas, qui seraient en train de faire ce genre de choses-là, le militant que vous étiez leur dirait quoi? Ben, le militant que je suis toujours, qui travaille à tous les jours pour la protection de l'environnement, pour
pour la lutte au changement climatique, il n'y a pas de solution parfaite dans notre monde. Ça n'existe pas. Et tout ce qu'on fait en tant qu'humain ou presque a un impact sur l'environnement. Notre rôle, c'est de travailler à mettre en place des solutions qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Et on investit massivement dans les transports collectifs, mais ce n'est pas vrai que tout le monde va pouvoir prendre le métro demain matin. Ça ne sera simplement pas possible. Alors, pour les gens qui ont besoin de se déplacer en voiture, et il y a près de 6 millions de voitures immatriculées au Québec, il y a des gens qui ont besoin de se déplacer en voiture, c'est bien mieux que ces gens-là utilisent des voitures électriques que plutôt que d'utiliser des voitures à essence. Encore une fois, il faut que ça s'inscrive dans un tout. Là. L'électrification, ce n'est pas la solution, mais c'est l'une des solutions. Bien sûr, absolument. Are you satisfied with the additional conditions that Ontario has put on the styrene plant near Sarnia? I'm very happy to see the Ontario government being more forceful with the company. It is the fourth infraction that this company has had in the last few years. As you know, we're working federally on new regulations for volatile organic compounds, VOCs. And we are following closely the situation. I've met with a representative from the community that my deputy minister has met. We've sent members of the department to provide the community with detectors for benzene so that they don't have to rely on the company. So we are, I mean, this is a situation that cannot be allowed to continue. Speaking of your activist days, what do you make of François Legault saying that police should go in and dismantle the campus at McGill? I don't think that I've heard you talk about this yet. I don't think that governments should be telling police what to do. They should be making their own decisions, and government shouldn't be dictating to police forces what they should be doing. Monsieur Legault est allé trop loin? I think there's going to be, I would reply. What kind of factors is Health Canada looking at? Well, in all instances, we're looking at how we cooperate and work with provinces on an evidence-based approach to save lives. This is a topic where all of us are, just so saddened and heavy with the loss, and a lot of times when you're in that state, you almost get dysregulated and you want to act for the sake of acting because what's happening is so painful. But if you're not deliberative and if you're not careful, the action you can take can end up doing more harm than good. And so we have to be very careful when we take these actions that they're rooted in evidence, they're rooted in science, and that we're as sure as possible that we're going to make a difference that's positive. And to me, it is very emblematic of the crisis that we face with the AIDS epidemic. You know, at that moment in time, there was so many people being lost that we didn't have all of the answers. And so a lot of things were being tried out of a state of desperation that ended up doing a lot more harm than good. And we don't want to do that. So I think the conversations we're having with the provinces, obviously we're supporting them. This is, the provinces are the lead in most of these instances. And what we're doing is working through the evidence, working through the data to make sure the decisions we make are going to help. And you've spoken a lot about the importance of data, obviously, throughout the healthcare file. What kind of data sort of is being collected with respect to this pilot, and what is the government looking at? Yeah, I mean, I think it's across a whole bunch of metrics. I mean, first and foremost, keeping people alive, right, so that we don't have people die. You can't treat somebody who's no longer living. In the second order, how do you help somebody who is in a state that's of addiction that is incredibly injurious to their health transition off into a state where they're no longer addicted? That's obviously our priority. And then in the third order, obviously, as an equal priority, public safety. How do we ensure that the public writ large in communities are kept safe while we're trying to deal with this crisis? So you're looking at evidence really through all of those factors. Are you able to add any clarity to the Toronto proposal? I'm a little bit confused because I've heard some suggestion that the province needs to approve this before the federal government could consider it. Is that the case? Yeah, well, look, I mean, I want to be very clear. Our priority is to work with provinces. They are the leads in these areas, and we play a supportive role. And we want to make sure in that role that we're supporting evidence-based solutions. But we would say that, it's essential that municipalities collaborate with provincial jurisdictions so that we can be aligned in the actions that we take.
I think it's through that alignment that we have the best possibility of success. Is it possible for the federal government to report on it? It wouldn't be for me to comment on that. I would refer you to your on that as the link to the file. Just on dental, have you any sense of how many things have been submitted so far? Yeah, I'm very excited to say that we're doing about 5,000 a day, so we'll be at about 20,000 in the first 4 days. I would suspect after today that'll be about 25,000. We're seeing provider numbers really grow very powerfully over the last number of days, close to 8,200 oral health providers now. We're having very positive conversations with the dental associations about clearing the remaining issues that they have. I think those issues are very, very small in nature and easily overcome. So, my expectation is that we should see the vast preponderance of dental offices participating ahead of when I thought. I thought that there would be more waiting for the July 8th alternative portal, but most are finding the process exceptionally easy. I encourage people to try it out now. Dental offices, oral hygienists, denturists can sign up, try it for a day, and if they don't like it, they can drop out. But universally, we've been hearing very positive experiences. Can you speak at all to what are the concerns raised by the hygienists who feel that the fee guide calls for higher compensation if the hygienist is doing their work in a dental office than if they're doing it independently in their own hygienist's office? What was the rationale for that? I'm concerned about that too. I haven't been convinced by the rationale defending it. I think this was a legacy of how the non-insured health benefit operated, and it was a cut and paste into this plan. There's some rationale for it, but it's not overly convincing to me. So this is something that we're looking at in more detail, and I'm committed to hygienists to get back to them very soon. Do you think that change could happen before the next fee guide is released in 2020? This is something I want to be able to proclaim ourselves on very soon, so that we can give more clarity to hygienists who do incredible work and are going to be a huge part of the solution. You know, I recognize that particularly for rural and remote communities where there aren't as many oral health providers, that even as we're seeing huge number of dentists join this plan, which is so exciting, there are a lot of communities where, you know, they just don't have enough folks. So oral hygienists are going to be a big part of that solution. So we want to make sure that everything we're doing makes sense and is logical. So that's a very fair question they've asked, and that's something we're interrogating internally that I'm going to get back to them very, very soon on. Thanks so much, Mr. Thanks so much. Appreciate it. Have a good day. You too.